nouvelles, absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, 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 ah, allô, allô, Martin, quelle nouvelle? Ma jument grise, morte. Mais avant cela, un incendie s'est déclaré en fin d'après-midi à Beaux-Arts. Le feu a pris dans la toiture du bâtiment. Il ne s'est pas propagé à l'intérieur. Michel Gaillère, vous êtes sur place. Vu de l'extérieur, les dégagements de fumée sont impressionnants. On savait que cet incendie hier à Beaux-Arts, le feu a pris au niveau de la toiture du centre d'art en cours d'après-midi. Une centaine de pompiers ont été mobilisés. Certains sont toujours en place à l'heure actuelle. Aujourd'hui, c'est le moment de constater les dégâts. Est-ce que des œuvres ont été touchées? Je vous propose d'écouter Paul Dujardin, directeur de Beaux-Arts. Il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûle à madame, c'est que le château était en flamme. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Tout va bien, hein? Allô, 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 Lucas, quelle nouvelle! Votre château, expliquez-moi, car je chancelle. Comment cela s'est-il produit? Eh bien voilà, madame la marquise, prenant qu'il était ruiné, à peine revenu de sa surprise, que monsieur le marquis s'est suicidé. Et c'est en remontant l'appel qui renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château, qui se consuma du bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie se propagea à l'écurie. Le président du conseil d'administration de Beaux-Arts est un certain Étienne Davignon. Un homme qui défend ouvertement la colonisation. Un système criminel d'exploitation qui a entraîné la mort de millions de personnes. Joël.